الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. الله سبحانه وتعالى بجية فإذا جاءت الصاخة صفة دولوغاز أغب ألو Allah subhanahu wa ta'ala finalement n'est là pour faire une connexion entre ce qu'il est pour dire à présent et ce qu'il est fait mentionner dans une verset précédente. Qui Allah subhanahu wa ta'ala fait mentionner dans une verset précédente? Allah subhanahu wa ta'ala veut dire قتل الإنسان ما أكفر. Destruction à ban humain, Allah subhanahu wa ta'ala peut faire connaître qui ban kafir pour gagner destruction pour ban kufr qu'ils ont fait faire. Et sa destruction là, est-ce qu'il ne peut trouver kafir pour gagner destruction aujourd'hui? Est-ce qu'il ne peut trouver kafir seulement la souffrance? Est-ce qu'il ne peut trouver kafir seulement dans difficulté? Non. Il y a beaucoup de kafir. Il y a beaucoup de gens qui ne croient dans Allah. Malgré cela, je peux vivre. Comment ban gens normal? Je peux gagner, je peux manger, boire. Je suis dans la richesse. Je suis dans la santé. Nous trouvons autres pays. Et nous sourire dans notre visage. Et nous trouvons autres, veut dire, et dans notre bien-être. Mais qui Allah subhanahu wa ta'ala qui finit dire qu'il a l'insan destruction à ban humain, ici peut faire référence à ban qui finit faire kufr. Et Allah peut montrer ce étonnement vis-à-vis sa kufr qui finit faire. Savez cela, Allah peut faire référence à situation ban kafir qui destruction pour tous autres yaouma le jour quand Allah pour faire Jibril alayhi salam souffler de trompette. Quand ça, destruction avant kafir, فَإِذَا جَاءَتِ الصَّخَّةِ veut dire quand Israfil, Allah vous donne l'aude pour souffler de trompette, et Israfil quand il peut souffler de trompette, il peut faire un tapaz qui Allah subhanahu wa ta'ala fin servi le mot as-sakha. As-sakha veut dire c'est un cri citant les énormes, citant les veut dire citant les puissants qui les fait dimon vinsoud veut dire sa tapaz qui sa trompette pour faire le jour du qiyama les pour assoudi ban kafir et je pourrais une destruction pour ça veut dire quand Israfil alayhi salam pour souffler la trompette les pour faire une tapaz qui jamais finit auparavant, à tel point qu'il y pouvait faire ban kafir qui pouvait naître dans sa époque vin soud et je pour gagner une destruction. Veut dire quand ça c'est quand Israfil alayhi salam lui pour souffler la trompette. Faïda ja'at as-sakha. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala peut faire référence à ban certain ban événement qui peut arriver le jour du qiyama. Toujours basant le thème principal dans Surah, veut dire dans sa dernière chapitre, Juz Amma. Le thème principal c'est quoi? C'est la vie après la mort. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, là, après qu'il fait une faire un rappel concernant ce bonne faveur et aussi bonne parole qui laisse à méditer. Qu'Allah fin dit auparavant, Allah subhanahu wa ta'ala peut mentionner فلينظر الانسان الى طعامه كي جيمون ريفليسيون سيت كونسيرنا سو نوريتور
comment ils gagnent ça? Allah subhanahu wa ta'ala peut dire anna sababna al-ma'a sabba, Allah fin fait descendre la pluie depuis l'eau le ciel en abondance. Thumma shaqaqna al-ardha shaqqa, Allah subhanahu wa ta'ala ensuite fin fait ça la pluie pénétrer dans la terre, et ça la terre veut dire fin ouvert et qu'il sortit dans la terre. Fambatna fiha habba, Allah subhanahu wa ta'ala fin fait ban plante différent et na ban la grain qui fin sorti et na toute sorte qualité ban zeb qui fin sorti depuis sa la terre wa hina ban wa qadba, et aussi ban raisin ban pied veut dire raisin, et aussi ban l'herbe qui fin sorti wa zaytounan wa nakhla, et aussi ban pied d'olive, et aussi ban pied date wa hadaiqa ghulba, et aussi ban jardin qui danse ban la forêt danse wa fakihatan wa abba, et aussi ban fruit et ban l'herbe qui Allah subhanahu wa ta'ala fin mentionné mata'an lakum wa li'an'amikum, comme ban faveur aux autres ou aux autres si et aux autres ban animaux. Qui chose à méditer, frère en islam, qui Allah subhanahu wa ta'ala peut mettre ça pour nous réfléchir, c'est que guide comment ban la grain qui s'y trouve en bas la terre, comment ça fait une sortie. C'est une faveur Allah, mais aussi c'est une manifestation capacité Allah subhanahu wa ta'ala. Quand nous sait réfléchir l'eau ça, si la grain qui ne germe, elle fait une transpire à la terre. Sa petite branche qui aussi fine qu'un cheveu. Mais seulement, par permission Allah, elle transpire à la terre, nous autres en déo. Nous devons réfléchir l'eau là. Ça la terre qui est bien d'armée. Alors, quand on peut fouiller, on peut besoin d'une petite chose pointue pour fouiller. Mais ça tire la grain qui vient sortir depuis ça tire la grain, un petit filament, aussi fin qu'un cheveu, pour par la suite lui vient une herbe. Alors, qui c'est un tiré en bas à la terre? C'est Allah Rabbul Alamin. C'est Allah le Tout-Puissant. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, à part qui, il peut faire un rappel sur une faveur qu'il vient faire l'eau, qu'il vient faire descendre la pluie, et au fait de la nourriture, et toutes sortes de qualités de nourriture, toutes sortes de qualités de fruits, Allah peut dire, réfléchis aussi, mais s'il fait ça, mais comme ça même, on peut sortir dans la terre. Comme ça même, qui quand là, quand nous mourons, Allah peut mettre nous dans la terre, thumma amatahu faqbara. Allah quand fin donne nous la mort, et dit mon fin enterre nous, de la même façon, Allah subhanahu wa ta'ala a la capacité pour tirer nous. Et d'ailleurs, il y a un hadith qui me fait référence à une similarité. Comment dit-on pour sortir dans la terre quand Allah subhanahu wa ta'ala pour faire descendre un appli. Et ça, l'appli là, il peut descendre quand on cite les temps qu'Allah voulait. Et ça, l'appli là, il peut générer la vie, l'écho dans dit-on qui finit la terre. Ça, la terre qui nous pourrit, nous finit la terre, passe à l'appli, Allah subhanahu wa ta'ala, pour faire ça la chair repoussée. Allah pour faire ça la terre, ça la chair repoussée, et il pousse sortir en bas la terre, il pourrit la terre. De la même façon, comment ça la grain qui est en bas la terre, Allah finit descendre l'appli, finit tirer en bas la terre, finit faire vivre un l'herbe, ou bien un zob, comme ça même, réfléchit, frère en islam, qui similairement, Allah subhanahu wa ta'ala pour tirer nous en bas la terre le jour du Qiyama de la même façon. Donc Allah subhanahu wa ta'ala peut dire فَإِذَا جَاءَتِ الصَّخَّةَ, quand ça soufflait de la trompette pour arriver à tel point l'époux énorme, à tel point l'époux fausse à ta base qui dit mon ban kafir, et qui fait le petit ban kafir non pas ban musulman, parce que le jour du Qiyama dans ce moment qui Allah pour faire Israfil souffler de trompette, destruction là, pour atteindre seulement ban kafir, parce qu'il n'y a pas pour une croyance alliée là. Pas pour une croyance alliée là, c'est seulement ban infidèle, ban qui pas fin croire dans l'unicité d'Allah, ban qui pas fin croire dans la religion islam, c'est eux qui pour là, l'eau la terre. Alors, l'y approprié quand Allah pour dire, qu'il al insan ma akfara. Destruction à sa ban humain, en faisant référence à quoi? À ban kifin, veut dire objecter pour accepter Allah, pour accepter le din Allah subhanahu wa ta'ala. Yawma yafirru al-mar'u min akhihi. Le jour, en faisant référence à sa jour qiyama,
après qui Allah fin relève les mots, deuxième coup qui fin souffler la trompette, thumma nufiqa fihi ukhra fa idha hum qiyamun yanzurun. Quand deuxième coup de trompette pour souffler, djimoun pour sortir, zot pour debout, zot pour guetter avec les effarés, avec les abrutis. Alors dans ce moment là, quand djimoun finit de lever l'eau surface la terre, zot fini trouve veut dire ban problème qui pour ena dans ce moment là, comme dans sourate Yasin, quand Allah subhanahu wa ta'ala rappelle nous certaines ban commenter qui ban djimoun pour faire le jour du qiyama, tel que Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire ban kafir pour dire ya waylana man ba'athana min marqadina hadha, destruction l'on nous. Allah qui fait que dire t'allez là veut dire qu'il a l'insan ou ma akfara, destruction l'on nous. Et je te confirme par cette parole ban kafir là, quand je te pousse au ti en bas la terre pour je devine la surface le jour du qiyama, ya waylana, destruction à nous, man ba'athana min marqadina hadha, qui s'anentit à nous, qui fait une bise sortie de sa kabar. Et pourtant de sa kabar, je ne pas si peux gagner, veut dire jouissance de sa kabar, je ne peux gagner punition de sa kabar, mais seulement destruction le jour du qiyama, les plus pires qui punition de kabar. Punition de kabar, les plus pires qui n'importe qui torture que du monde capable de subir à la terre. A tel point que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut dire, si djimoun et djinn qui poutan quantité huellement qui djimoun peut hueler d'akabar quand je paye une punition, ou tu capable de perdre l'esprit. Alors imagine quand c'est punition qui djimoun peut gagner d'akabar, mais ça même djimoun quand Allah peut tirer dans ce kabar en bas la terre pour amener l'île au surface la terre, après qu'Allah fin relève les mots, il peut regretter qu'il fait une sortie de ce kabar. Comment nous comprenons ça? C'est que punition de la terre est plus pire que punition de kabar. Punition de la terre est plus pire que punition de kabar. Alors Allah subhanahu wa ta'ala peut dire ici, yawma yafirru al-mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Le jour où un djimoun il peut sauver depuis son frère disant, même maman, même papa. Quand il peut trouver son frère, il peut sauver. Wa ummihi wa abi. Il peut trouver son parent, il peut sauver. Il peut trouver son maman, il peut sauver. Il peut trouver son papa, il peut sauver. Wa sahibatihi. Il peut trouver son madame, il peut sauver. Un madame, il peut trouver son monsieur, il peut sauver. Wa bani. Il peut trouver son bon enfant, il peut sauver. Alors Allah subhanahu wa ta'ala peut dire que djimoun peut sauver avec tout djimoun. Un djimoun peut sauver depuis tout djimoun. Qui fait? Ban ulama explique sa verset là. Qui fait ban djimoun pour sauver? Le jour du qiyama, djimoun peut sauver. Yawma yafirru al-mar'u min akhi. Il peut sauver depuis son frère, depuis son maman, son papa, depuis son madame, ou bien son monsieur, ou bien ses enfants. Il peut sauver. Ban ulama en a deux commentaires. Premier commentaire, qui est mentionné dans certains livres de tafsir, tel que un grand livre qui s'appelle Tafsir Ibn Ashur. Alors, il fait référence à commentateur Coran. Il dit que quand chaque djimoun pour trouve qui peut arriver sa famille qui finit mort dans l'état de kufr. Nous finissons tout djimoun est mort. L'eau la terre, et n'a pas vivre comme musulman, et n'a pas vivre comme kafir. Pareil comme dans toute la case musulmane. Et n'a fait namaz, et n'a pas fait namaz. Maman fait namaz, papa pas fait namaz, chifi fait namaz, garçon pas fait namaz. Maman, perdo Allah, monsieur, perdo Jab, garçon, perdo Allah, chifi perdo Satan. Routine de tous les jours, ça, dans toute la case. Bien rare qu'il y ait la case qui tout le monde finit pour Allah. Ça, c'est un faveur Allah, ça. Si dans la case, qui tout le monde, depuis maman, papa, frère, sœur, les enfants, tout dans le droit chemin, c'est un très grand faveur, ça. C'est un faveur Allah subhanahu wa ta'ala. Mais la réalité, comment Allah subhanahu wa ta'ala peut dire à la plupart du monde, je ne suis pas reconnaissant vis-à-vis Allah. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, wa in tuti' akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah.
Si tu obéis à la plupart du monde de la terre, je peux garder le droit chemin, chemin d'Allah. وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ Allah subhanahu wa ta'ala veut dire وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. La plupart du monde qui peut prétendre qu'ils croient dans Allah, excepté, ils sont pleins dans l'idolâtrie. Qui veut dire que ça c'est routine, c'est la réalité de ça, la vie qu'ils ne peuvent vivre. Donne la case, et une partie qui fait une vie pour Satan, une partie vient pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, sa tafsir là, sa versée là peut faire référence à sa situation qui, quand mon papa est levé, quand mon maman est levé, quand mon enfant est levé, quand mon frère est levé, chacun se fin par réflexe, c'est quoi? Chacun peut chercher cette famille, chacun peut le rôle de maman, chacun peut le rôle de papa, chacun peut le rôle de garçon, de enfant, de fille. Mais si ça suffit, il n'y a pas de mine pour Allah. Mais qui nous expecte pour arriver le jour du Qiyama? C'est punition divine qui peut attendre lui, qui peut aussi le jour du Qiyama même. Il peut subir cette punition quand frère Allah peut venir, quand il vient taper sur ce cerf. Qui peut subir une punition, qui vient de ça, sauver, allez-y. Qui vient de sauver, attention, ici, il subit même ça. Pareil, quand on trouve un djimoun, par exemple, il est affecté par une maladie contagieuse. Ou persiste en lui ou. Un djimoun dit, attention, il a tel virus en lui, et il est mortel. Qui vous fait en système? Vous sauvez? Ça, c'est un réflexe naturel dans tout djimoun. Quand il a un danger, qu'un djimoun peut subir un danger, et ça danger est capable, veut dire qu'il saute loin de djimoun, ou pas reste ça même. C'est ça qui, d'après certains commentateurs, qui, ban djimoun, quand je cours retourne, vers une bande proche, et malheureusement, certaines bandes proches, finvin veut dire un kafir, alors dans ce moment-là, quand sa punition-là perfecte les autres, ban les restes pour sauver. Chacun pour sauver depuis son camarade, il pour sauver depuis son frère, qui est kafir, qui fin vivre dans l'idolâtrie, il pour sauver depuis son maman, qui fin mort au couvre, il pour sauver depuis son papa, qui fin mort au couvre. Il pour sauver, et n'a pour sauver depuis son frère, et n'a pour sauver depuis son papa, et n'a depuis son maman, et n'a depuis son propre monsieur, et n'a depuis son propre madame, et n'a depuis son propre enfant. Qui fait par sa punition qui fait frapper. Attention, qui finalement, moi ici, moi je gagne même punition. Ça, c'est le premier commentaire de Zaman Moufassiri concernant sa vie. Un deuxième commentaire qui fait Dimon pour sauver le jour du Qiyama depuis cette famille. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam alors peut faire connaître qui chaque djimoun poena pour raquit chaque injustice qu'il vient faire. Qu'il soit une injustice qu'il vient faire vis-à-vis un musulman ou bien un non-musulman, parce qu'Allah n'est pas toléré l'injustice. Allah peine à partisanerie. Une partisanerie qui amène l'injustice. Si ou musulman, ou fin faire injustice vis-à-vis même un non-musulman, ou pour n'avoir pas le raquit, ça le jour du Qiyam. Si un musulman, il fait injustice, il fait dominer, il abuse de ce pouvoir, il abuse de cette situation, alors même un non-musulman, il pour n'avoir pas le raquit, ça le jour du Qiyam. C'est pour ça que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut dire, avec ce bonne sahaba, atadrouna mal mouflis. Est-ce que vous êtes au courant qui sont, ou bien qui est celui qui vient faire faillite? Alors, Banna vient dire, vient répondre, mais celui qui fait faillite, c'est lui qui vient perdre tout son argent. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, moi, parce que l'argent, moi, parce que al-muflis min ummati, celui qui fait faillite dans mon ummat, c'est un djimon qui vient avec tout sens pour faire succès. Un djimoun qui vient, qui est supposé rentrer dans le paradis, mais il rentre dans l'enfer. Un djimoun qui est coquin, un djimoun qui fait un crime, qui va t'en aller? Il y a la prison, il clair. Mais un djimoun qui nous amène coquin, nous amène faire aucune chose illégale. Nous ne pouvons pas expliquer qu'il rentre dans l'enfer. Mais s'il rentre dans l'enfer, c'est un étonnement pour nous ça. Un djimoun qui, il fait tout le temps, God veut dire les limites dans ce pays, il ne va faire aucune chose qui est hors la loi, il ne va faire aucun abus. Il n'est pas venu faire aucune petite chose qui traverse. Jamais nous pouvons attendre qu'il s'agit d'une sacrée djimoun. Rentre dans prison ou bien être puni, être condamné. Mais si arrivé, nous trouvons autres condamnés, ça crée un étonnement dans nous. Ça même que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut montrer ce étonnement. Il peut faire nous comprendre
qui peut nous dire qu'il y a tout critère pour rentrer dans le paradis. Les filles font tout en action qui supposent rentrer dans le paradis, mais ils rentrent dans l'enfer. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit Al muflis min ummati. C'est lui qui vous fait faillite dans sa ummat. Man ata yawm al qiyama. Un dimon, il peut venir le jour de qiyama bi salati. Il fait tout son namaz. Il ne rate un namaz. Si là nous guette nous là, ça dit mon appli meilleur qui nous lit. Nous, quelque part, nous ratons namaz. Soit par paresse, soit par négligence. Quelque part dans la vie, peut-être une faute concernant namaz. Ça dit mon lit, fait tout son namaz. Ata yawm al qiyama bi salati. Il fait tout son namaz. Wa siyam. Et puis nous avons tous rosa. Combien parmi nous peut-être nous avons tous rosa? Un petit douleur, un petit menti, nous avons tous rosa. Un petit faiblesse, un petit menti, nous avons tous rosa. Combien par négligence? Parce que malgré nous, nous résumons. Nous. Mais ça dit, nous avons tous rosa. L'irréprochable concernant ce rosa. Ou zakat. Combien parmi nous, nous sommes capables de garantir lui-même une tierce zakat quantité qui besoin? Beaucoup de monde pétient par l'ignorance. Beaucoup de monde dit, si vous pensez, une tierce zakat, c'est le petit argent donné. Une calcul des points 5%, on dit c'est un petit l'argent, alors qu'il y a encore l'argent qui n'est pas calculé. Une quantité laisse à désirer concernant la distribution de zakat. Mais ça dit, les filles donnent ce zakat comme un besoin. Mais seulement, en même temps qu'il fait faire l'obéissance, mais l'Ipan prend compte sa deuxième facette de l'islam, qui ferait en islam et c'est en islam, nous aussi nous trouvons dans une situation pareille. Nous pouvons penser que l'islam saisisse un acte d'adoration. Nous pouvons penser que l'islam saisisse faire ibadat. L'islam, il y en a deux facettes. Le côté spirituel, veut dire faire une pratique religieuse, faire namaz, donner zakat, gâter rosa, etc. Mais en même temps, de l'autre côté, il ne faudrait pas un abus et l'injustice dans nous façon de faire. Il ne faudrait pas un abus, l'eau créature Allah. Il ne faudrait pas une injustice vis-à-vis créature Allah. Peu importe qui ça n'a. Si Allah n'est pas d'accord qui nous mal agit vis-à-vis des animaux, il n'y a aucun hadith. Un djimoun fin rote dans l'enfer à cause de ne pas nourrir des animaux. Ça veut dire que si un animaux, un non-musulman aussi pareil, plus encore. Ça veut dire que quand un musulman a gagné droit, faire dito au kafir, faire dito à un non-musulman. Parce qu'il reste toujours créature Allah ici. Et il reste toujours. Veut dire sous possibilité qu'il demain Allah pardonne lui. Et combien non-musulmans le jour du Qiyama pour gagner le pardon d'Allah? Combien non-musulmans le jour du Qiyama pour être pardonné par Allah? Alors nous, en tant que musulmans, parallèlement, qui nous peut adorer Allah, nous peut pratiquer ban ibadat, ban bonnes œuvres, ban bonnes actions, en même temps nous devons rappeler nous qu'il y a l'autre facette de l'islam, c'est que zéro abus, zéro l'injustice. La personne, lui finit seulement sa côté comme nous aussi pareil. Beaucoup parmi nous, ou bien nous tous, en quelque sorte, nous concentrer seulement sur sa première aspect, la religieuse. Alors qu'il arrive, lui, Qad Shatamahada. Avec son namaz, son zakat, son rose, etc. Mais lui finit servi sur la lame pour blesser Dimoun. Il blesse Dimoun avec son lame. Wadarabahada. Il servit sur la main pour faire dito. Physiquement, man djimoun. Il bat li, il blesse li, et que son lame, il fait dito. Wa akhada ma la hada, abu. Il coquin l'argent, il prend l'argent, pas force, ou bien il coquin, son frère. Il coquin musulman, il coquin non musulman. Il y a beaucoup de monde qui croit qu'alors qu'on est musulman, on gagnera aucun kafir. On gagnera aucun non musulman. Ça n'a pas existé ni dans l'islam, ni dans aucun common sense. C'est une chose qui est une version satanique de l'islam, ça n'a là. Pas existe version islamique qui Allah fin dire. C'est un islam qui ne préparait pas Satan, ça. Qui ne peut penser nous gagner droit à bise aux non-musulmans. Alors, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, même il dit, même il refuse un cadeau qui finit venir depuis sa source. Qui est un sahaba fin coquin, un troupeau mouton, depuis un non-musulman. Il finit venir, il finit offrir ça en cadeau à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, citant un collègue, il retourne tout ça là. On pas besoin de ça, moi. Alors qu'il est venu faire abuse, l'eau, Benjamin, ou akhada ma la hada, ou akhada fa hada, les filles mettent le sas, fausse sas, l'eau, Jimoun. Zodi, c'est une monnaie courante, ça. Facile, moi, qui j'aime Jimoun. Facile, moi, mettre un sas, l'eau, lui. On peut oublier, moi, qui la vie de l'homme. Fais attention, frère.
Fais attention, c'est en islam. La vie longue, elle n'est pas pour vivre encore. 5 ans, 10 ans, 20 ans, une quantité n'a pour vivre, ou peut oublier qui est encore. La vie là, elle continue de tourner ça. Elle commence à un moulin ça. Vous voyez ça, ça tourne là. Moulin à eau. Vous avez le moulin à eau qui veut dire. Alors, parfois il est vide, parfois il est plein. Il monte, il descend. Veut dire vite, plein, comme ça même la réalité d'Ounia. Zodi peut-être vous dans une position de force, demain vous dans une position de faiblesse. Zodi vous dans une position qui vous perbise dans les autres, demain vous dans une position qui dit vous ne perbise l'eau. C'est ça la vie. C'est de cette façon que les jours et les nuits veut dire tourner dans la vie du monde. Soit les comptes où ça joue, soit les pour où ça joue. Donc les filles abusent pour son ami. Les filles abusent pour la bousse. Les filles abusent pour sa façon de faire. L'eau du monde. Allah, le plus juste de tout ban justicier, le plus sage de tout ban qui sage, Allah subhanahu wa ta'ala vient faire justice qui parfait parce qu'Allah n'est pas parfait. Alors, il fin appelle toutes les victimes, il fin mettre devant la personne, il fin prend la personne et il fin calque. Allah subhanahu wa ta'ala fin fini mesure quantité d'ito qu'il fin faire avec X, Y, Z, etc. Alors, il fin convertir ça en compensation. L'Odunia nous paye compensation. Si nous faisons un abus, nous payons la manne. Nous payons, veut dire, ban la manne qui nous vient faire. Si nous faisons 10 mounes, nous mettons travailler dehors, nous faisons telles affaires, nous faisons telles affaires. La cour dit, ok, retourne-lui, tant, dommage moral, dommage, etc., physique et moral, avec l'intérêt, tout, vous payez. Mais dans l'akhirat, pour une dommage moral, pour une compensation. Alors, chaque 10 mounes, d'après degré son erreur, son abus qui vous fin faire, d'après degré l'injustice qui vous fin faire, ou pour raki, veut dire devant Allah subhanahu wa ta'ala, qui lit pour mettre, veut dire barem, li pour mettre le coût de sa abus. Et là, ou pour bizarre payer li, et l'akhirat avec qui payer? Avec roupie, avec billet, payer dans la basse. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam veut dire, man kana li akhihi madlama, celui qui fin faire une injustice vis-à-vis de son frère, fal yatahalhu minhu. Qui est fini raquit misodi. Faïna ou laisse à ma dinar ou la dirham. Là-bas, peine à l'argent là-bas. Voilà qu'une hasanat ou sayyad. Compensation pour faire, pas sawab, pas aux bonnes œuvres et aux mauvaises œuvres. Mauvaise action. Aux bonnes actions et aux mauvaises actions, c'est ça qui, l'olà ou basse compensation. Moi, j'ai un tas sawab, un tas bonnes actions qui m'ont fait faire, mais moi, j'ai une victime devant moi qui m'ont fait être très zut d'une façon qui n'a pas gagné droit. Je fais un abus aux autres, je vais compenser les autres. Je vais dire, raquitte ça et rien qui m'a fait faire avec sawab. Alors Allah vous prend sawab, ça dit moun, pour donner sur ma victime. Et pour arriver à une situation avec ça dit moun, qui finalement, quand on peut donner, peut compenser même, peut faire compensation, ce sawab est terminé, il y a encore droit. Allah, le tout parfait, Allah subhanahu wa ta'ala qui vous fait, bise compense ça les autres victimes. Comment vous compensez ça les autres victimes et un tas PC là au compte. Allah compense-t-il d'une autre façon, prend son PC qui veut dire qui reflète ça, l'injustice qui s'en est fait avec lui, prend lui, mettez-le au compte. Prend le tas sur PC, mettez-le au compte. Prend le tas sur PC, mettez-le au compte. Jusqu'à ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, il finit bien avec zéro récompense. Peine à récompense le compte à CA. Peine à récompense, et non seulement péché qui pas pour lui, qui finit le second. Ensuite, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, thumma finnar. Ensuite, voltigez dans l'enfer. Pas même dit dans l'enfer. Envoyez-le dans l'enfer. C'est ça le plus grand faillite. Qu'il tienne à tout raison pour faire succès dans le paradis. Mais il finit blié, qui est l'autre facette de l'islam, qui est zéro abus, zéro injustice, font partie dans la religion Allah. Ça. C'est pas seulement prosterner devant Allah qui comptait devant Allah. Alors, c'est sa raison qui nous fait des gens sauver avec son frère, son sœur. Combien abus est-ce en frère, sœur? Combien abus est-ce en maman, papa? Combien abus est-ce en enfants, parents? Combien abus est-ce en parents, enfants? Combien abus est-ce en monsieur, madame? Entre madame, monsieur? Combien abus est-ce seulement dans la famille? Un tabu est-ce de toute façon? Et il est capable de mettre en otage du monde. Je veux dire, moi, mon frère, finalement, sur lequel il tanne, qui est arrivé, si tout, mettre le frère, si tout, abuser, combien abus
frère permis de frère, sœur permis de sœur, maman permis de enfants, maman peut coquin droit enfants, enfants peut coquin droit maman, tout ça là c'est une routine de tous les jours qui nous vivent. Alors, quand le jour du Qiyama, il trouve son frère, il connaît qui vient faire la tienne, comment il embête sa frère qui est ignorant, lui, intellectuel, le tala pendant l'école, coquin sur la case, coquin dit bien qu'il papa une porte assez. Alors, quand il trouve son frère, qu'il vient rester sauvez-le. Parce qu'il connaît qu'il vient faire, il connaît les conséquences, parce qu'il peut trouver la X, Y, Z, il finit en vol dans l'enfer, il ne peut envoler tout par la Jahannam. Il ne trouvait qu'il se trouve peut arriver bientôt. Alors, pour lui, peut penser, dit, qui, si son frère trouve lui, alors là, veut dire son frère, pour lui, réclame un sawab. Et Allah subhanahu wa ta'ala mentionne ça dans Surah Al-Maharij. Yawaddu al-mujrim. لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته واخيه وفصيلته التي تؤويه le jour du qiyama djimoun pour dire Allah m'accepter sacrifier mes enfants brille sa moi m'accepter sacrifier mon monsieur brille sa moi un garçon pour accepter dire Allah m'accepter brille mon maman mais maman sape si il est capable faire il peut faire c'est pour ça que la réalité il est trop clair. Qui a une maman quand il trouve ses enfants depuis de loin, parce qu'on trouve il y a un papa quand il trouve son frère, il trouve ses enfants ou bien il trouve son madame, parce qu'on trouve il y a les, pour un abus qui chacun vient faire vis-à-vis son prochain. Donc, pour qui chacun pas une réclame, je ne pas veut dire de l'injustice qu'il nous vient faire vis-à-vis d'autres. Alors tout le monde pour sauver depuis votre frère, depuis votre vanseur, depuis votre maman, etc. Et aussi ici une question qui est très intéressante que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire Yawma yafirru al-mar'u min akhi. Il fait mentionner frère premier. Deuxième qu'Allah fait mentionner wa ummihi wa abi, parents. Ensuite Allah fait mentionner sahib et ensuite fait mentionner enfants. Allah fait mentionner dans l'autre façon qui nous vivent la terre. Allah subhanahu wa ta'ala fait mentionner façon qui nous vivent la terre et probabilité l'injustice. Qu'est-ce que le Coran comment pas fait? Qu'est-ce Allah subhanahu wa ta'ala comment sage? Avec qui n'en a plus dealing? Allah subhanahu wa ta'ala fait mention tous ses proches, sa bande, proches, famille, frère, mon sœur, mon maman, mon papa, mon madame, mon monsieur, mes enfants. Alors, relation qui moyenne avec mes enfants, les plus, veut dire relation un papa, une maman avec ses enfants, il faut. Un petit plus moins, c'est relation entre monsieur et monsieur. Entre monsieur et madame plutôt. Relation entre monsieur et madame. Ensuite, c'est relation entre maman, papa et enfants. Parce que maman, papa, mon fini marié, c'est mon amour la case. Mon fini marié, mon amour la case. Alors, mon a plus beaucoup le temps qui m'a passé avec mon madame. Une madame, il a plus beaucoup le temps qui passait avec son monsieur. Alors, abus, les vins plus, veut dire vis-à-vis monsieur et madame, qui vis-à-vis maman, papa. Ensuite, mon frère. Ça veut dire que nous relations les plus, veut dire entre un papa et une maman avec ses enfants. Parce qu'une maman avec ses enfants, veut dire tous les jours, il y en a sa relation. Ensuite, veut dire vis-à-vis papa-maman. Veut dire un enfant, papa-maman. Ensuite, monsieur, madame. Ensuite, mon frère. Veut dire d'après, ban possibilité, veut dire ban contact qui nous est là, c'est que. Nous contact avec nos frères les faux, mais ensuite avec maman les plus faux, papa les plus faux, ensuite avec nous madame les plus faux, ensuite avec nos enfants les plus faux. Ces relations humaines, sentiments les plus faux, nos sentiments pour nos frères les plus faux, ensuite nos sentiments pour nos maman papa les plus faux que sentiments qui nous a pour nos frères, ensuite nos sentiments qui nous a pour nos madame les plus faux parce qu'ils nous vivent avec lui dans l'intimité les plus faux, et ensuite nos sentiments qu'un papa il a pour ses enfants, maman il a les plus encore. Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre ça par, veut dire par relation sentimentale et aussi abus aussi divine de sa façon. Alors c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre ça dans sa lode. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala fait mention frère, maman, papa, pas de mention époux et épouse. Fait mention celui qui compagnon. Qui fait Allah pas de mention un djiboun pour sauver avec son monsieur, un djiboun pour sauver avec son madame. Mais un djiboun pour sauver avec son compagnon. Parce qu'il a deux qualités ménage. Il y a un ménage qui n'ont dédié à son monsieur et madame. Chacun vient de la vie.
Monsieur la vie sur la vie, de sa façon, madame la vie sur la vie, de sa façon, chacun ne pas avec ses camarades, chacun vit d'une façon, chacun a l'idée séparée, chacun rentre en l'air, chacun saute en l'air, puis il y a contact. Mais ici, il y a pli éloquent qui, pas seulement il y a une épouse pour moi, mais il y a un compagnon pour moi. Je veux dire, peut montrer, veut dire, relation qui est très très proche entre sa monsieur et sa madame. Dans sa relation très très proche, abus les plus probables. Abus les plus probables. Injustice les plus probables. Si nous ne pas faire attention. Alors voilà, c'est-à-dire, secret de sa Coran, éloquence de sa Coran, parole Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire encore, « لِكُلِّ مْرِئِمْ مِنْهُمْ يَوْمَ إِذٍ شَأْنُ يُغْنِي » Qui, chaque djimoun, le jour du Qiyama, pour gagner son propre tracas, il n'est pas pour gagner le temps pour prendre djimoun compte. Avec ce problème, l'aim n'est pas calculé, qu'il n'est pas le raquit devant Allah subhanahu wa ta'ala. Aisha radiallahu anha, alors, Aisha radiallahu anha, lit, quand il entend sa parole, et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam raconte le jour du Qiyama, Jimoun, quand je vais le relever depuis le Kabar, est-ce qu'il peut aller à l'aise ou pas pour aller à l'aise? Un monsieur est pour nu, un madame est pour nu. Alors, Aisha radiallahu anha, l'impose question avec tracas à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que Jimoun pourrait être monsieur, pourrait être madame, madame pourrait être monsieur? Parce que Aïcha radiallahu anha, elle a haya, elle a pudeur, elle a la honte. Il y a pareil comme beaucoup madame parmi nous bonne madame, parmi nous bonne fille, qui la honte de jour en jour puis enlever. Mais Aïcha radiallahu anha, elle a un tracas. Alors Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, peut rappeler, veut dire une parole qui base de sa versée. Inch'Allah, sa deuxième partie-là, nous postponons, Inch'Allah, pour semaine prochaine. Qui a Aïcha radiallahu anha? Et qui réponse qui est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin de l'année. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.